Salut à tous, j'espère que ça va bien. Je suis très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet du micro et de la voix off. Dans cette vidéo, je vais encore répondre à une question qui m'a été posée par Steve, justement en relation avec le fait de faire de la voix off sur Mac, sur Final Cut Pro 10. On regarde sa question. Hello Aurélien, c'est encore moi. J'ai encore une question. Tu sais, j'ai un micro Yeti pour faire des podcasts. Et je voulais savoir, avec Final Cut Pro, si je peux brancher le micro pour enregistrer ma voix dans le logiciel. Parce que le plus souvent, tu sais, je m'enregistre directement sur la vidéo. Peut-être qu'en m'enregistrant directement sur le logiciel, c'est faisable. Donc, en gros, Steve aimerait savoir comment on peut enregistrer de la voix off sur Final Cut Pro 10. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet d'enregistrer directement dans le logiciel de la voix off? Et la réponse, elle est oui. Mais juste avant de passer sur l'ordinateur pour te montrer ça, parce que genre, c'est très simple finalement, je te me présente, je m'appelle Aurélien Ibarhart, je suis vidéaste, photographe, et le but avec ces vidéos, eh bien, c'est de t'aider à progresser, à développer, à apprendre de nouvelles choses qui pourront te servir soit pour des projets perso, soit peut-être pour t'aider dans des projets professionnels. Et il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de la contrainte naît la créativité. C'est quelque chose qui est très important dans la vidéo. On est toujours confronté à la contrainte et c'est ce qui fait bouger nos remue-ménages pour être créatif et pour surmonter ces contraintes qu'on peut avoir. Et finalement, ça nous aide à être beaucoup plus créatif et ça, c'est quand même plutôt cool. Dans le cadre de ce tuto, donc toi, Steve, tu as le microphone Blue Yeti. Donc c'est un microphone qui se branche en USB. Et l'avantage de ce microphone, c'est qu'on peut régler le gain directement sur le micro. Le Blue Yeti, d'ailleurs, c'est le micro que moi j'ai, mais que là, je l'ai toujours pas avec moi, donc j'utilise un autre micro. C'est tout simplement le Video Mic Pro, enfin le Video Mic Pro de chez Rode, hein, donc le petit micro à 50€. Je pourrais l'utiliser directement comme ça en le branchant en USB, mais ce que je fais, je le couple au Zoom H1, et donc en fait, on a la sortie micro ici, donc je branche. Hop, alors, je vais peut-être montrer devant la caméra. Je branche ça ici et en fait le Zoom H1, je viens mettre ici un petit câble USB vers USB et ça je le branche à mon ordinateur. Et ce qui fait que je passe d'un micro à la base qui se branche en jack, je passe sur un micro que je vais brancher en USB. L'avantage, c'est que je retrouve la même possibilité du coup que sur le Blue Yeti, c'est-à-dire que ici avec le Zoom H1, je vais pouvoir régler l'input level, donc le gain finalement, et je vais pouvoir régler mon gain directement à l'enregistrement, et ça c'est quand même plutôt pratique. Donc voilà un petit peu pour le micro que j'utilise. Si tu utilises un micro directement jack, alors attends, je regarde sur mon ordi pour pas te dire de bêtises, mais si tu utilises un périphérique donc d'entrée en jack, bah tu te mets sur défaut et ça va prendre justement, au lieu de prendre le micro interne du Mac, ça va prendre ton micro que tu as branché. Et si tu mets en USB, bah ça va être pour le Blue Yeti, ça va être le Blue Yeti. Et moi, en utilisant le Zoom H1, eh bien ça va être H1. Et donc je vais prendre le micro H1. Donc on paramètre ça sur le Mac. Et ensuite, voilà. De toute façon, je te montre ça juste. Je te montre ça maintenant, hein, maintenant sur l'ordinateur. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller voir les réglages audio du Mac. Là on voit que mon Zoom H1, donc pour rappel que j'ai connecté à mon micro Rode, il est bien détecté. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va aller dans Fenêtre et on va cliquer sur tout simplement Enregistrer une voix off. On a donc une nouvelle fenêtre qui apparaît avec le titre Enregistrer une voix off. On peut voir le gain qui rentre dedans, on peut régler le gain d'entrée, on peut changer le nom, on peut voir l'entrée. Donc là, on voit bien que c'est le Zoom H1 qui est connecté et bien faire attention que ce soit connecté en stéréo. Là, c'est le cas, c'est parfait. Ensuite, on peut activer le contrôle ou pas. Donc le contrôle, c'est simplement le retour. On peut régler le gain de sortie. On peut mettre un décompte avant l'enregistrement. Donc quand on va lancer l'enregistrement, ça va faire 5, 4, 3, 2, 1. On peut couper le son du projet pendant l'enregistrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on va enregistrer sa voix off, ça va lancer la lecture du projet. Donc évidemment, si on veut pas qu'il y ait
de son qui soit lu en même temps qu'on fait la voix off, on coche sur « couper le son du projet pendant l'enregistrement ». Et après, créer une audition à partir des pistes, ça je sais pas, mais là on n'en a pas besoin. Et après on peut créer un nouvel événement, etc. Voilà pour cette petite fenêtre d'enregistrement de voix off. Une fois que tout est fait, que tout est paramétré, eh bien on va tout simplement lancer l'enregistrement de notre voix off. L'enregistrement est terminé, on va faire la lecture de celui-ci. On va aussi ouvrir une fenêtre pour voir au niveau du gain jusqu'où va le son. Et voilà Steve, là je suis en train d'enregistrer une voix off avec mon micro. Là on voit que le son est à, en tout cas avec l'enregistrement que j'ai fait, que le son est à moins 12. Alors la petite information, c'est important d'enregistrer à la base, avoir une entrée de gain assez faible, parce que si on met le gain trop fort, ce qui peut se passer c'est qu'on peut avoir un son qui sature. Donc vaut mieux avoir un enregistrement plus faible, parce qu'en fait la qualité de son est, maintenant on a des micros qui sont quand même assez bons, et donc on peut avoir un enregistrement faible et ensuite monter le gain pour justement retrouver un audio qui va être plus qui va avoisiner les 0 dB. Le problème, c'est que si on fait un enregistrement trop fort à la base, le son peut saturer, et une fois que le son est saturé, c'est mort, on pourra plus le rattraper. Donc là, on a monté le son à 12 dB, on va lancer la lecture. Et voilà Steve, là, je suis en train d'enregistrer une voix off avec mon micro, donc c'est le micro vidéo mic de chez Rode, pardon, j'ai un petit peu cafouillé, avec le Zoom H1, et comme on peut le voir, ça fait le taf, ça fait une voix off, et c'est ce que tu demandais, voilà. On a bien vu sur la grille à droite que le son atteignit les zéros, mais ne le dépassait pas, que ça sature pas, donc là, on a une voix off qui est parfaite. Voilà, bah j'espère que j'ai bien répondu à cette question, finalement, comme on peut le voir, c'est quand même assez simple d'enregistrer sa voix sur Final Cut et de pouvoir faire de la voix off. C'est super simple comme tu as pu le voir. Donc j'espère que ça a bien répondu à ta question. J'espère que toi aussi qui regarde la vidéo, ça a bien répondu à vos questions. N'hésitez pas justement à poser si toi aussi des questions par rapport à de la photo, de la vidéo, de la technique, etc. Je t'affiche mon adresse email sur cette vidéo. Pose-moi tes questions, fais-toi plaisir. Moi je suis là pour y répondre, alors profites-en. Mais attends, ne pars pas, parce qu'il manque un truc. Et oui, abonne-toi, like cette vidéo, mets-moi un petit commentaire, c'est plutôt pas mal. Et surtout, partage-la à tes amis, à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, à tes copains vidéastes, à tes copains photographes. Partage-la pour que ça aide un maximum de personnes, c'est important. Voilà, c'était le petit moment un petit peu réseau social, partage, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !